Frères et sœurs, bonjour. Tous les téléspectateurs de Pactol TV, je vous salue au nom de Jésus. Je suis content ce soir de partager une pensée avec vous. Et je pense que vous qui me suivez en direct, à côté de vos postes, ce message est pour vous. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que tu es là, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui me suivent à côté de leur poste, Seigneur, que tu leur parles dans le cœur. Seigneur, permets que quelqu'un me comprenne ce soir. Permets que, Seigneur, tes enfants soient libérés de leurs chaînes. Que ta gloire descende sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Je pense que beaucoup connaissent ce verset. Et c'est dans ce verset que je vais partager la pensée de Dieu. Chapitre 1 Samuel, chapitre 17. Nous commençons au verset 1. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et Éphèse d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparèrent. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une assoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêtèrent et s'adressèrent aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il me bat et s'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous vous serons assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je pense que cette histoire est connue de tous. Parce que le plus souvent, même les gens qui vont à l'église, même les gens qui ne vont pas à l'église, même les enfants qui sont encore aux mamelles connaissent l'histoire de David et Goliath. Et je pense que c'est dans ce chapitre que nous allons faire notre partage ce soir et que le Seigneur va parler à tous les spectateurs, les téléspectateurs de Pactol TV, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez en ce moment. Nous venons de lire une histoire dans la Bible. Cette histoire s'est produite dans l'Ancien Testament. Et vous savez, l'Ancien Testament, on parle de la Pentateuque, qui parle des 5 livres, et après nous continuons. Et nous voyons l'histoire des peuples d'Israël depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Et ici, nous voyons quelque chose, l'épisode qui s'est produit dans une ville. La Bible dit, un jour, Israël était en face d'un autre peuple. Et ce peuple, c'est des peuples philistins. La Bible dit que les Philistins étaient de l'autre côté et Israël était de l'autre côté. La vallée les séparèrent. Et parmi les Philistins, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. C'était un géant. À notre époque, nous, on pouvait parler d'un monstre. Parce qu'un homme avec cette taille, un homme avec ses armures, ça faisait peur. Et la Bible dit que chaque matin, cet homme se levait. Et il insultait les peuples d'Israël. Il leur lançait des défis. Il disait ceci, « Choisissez un homme parmi vous. » Qu'il soit capable et qu'on se mesure. S'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si moi je le tue, vous nous serez assujettis.
Et la Bible dit qu'il faisait cela pendant 40 jours. Pendant 40 jours, nuit et jour. Il se levait chaque matin et lançait ce défi au peuple d'Israël. Vous voyez, mes frères et sœurs, et cet homme s'appelait Goliath. Personne n'osait se lever. Et pourtant, Saoul était un homme de guerre. Mais tous ceux qui venaient, mais ils venaient pour faire quoi? Ils venaient pour se battre. Mais en face de ce géant, personne n'osait se lever. Je suis sûr que chacun peut-être pensait comment on allait faire ces obstacles. Peut-être d'autres pensaient à ses enfants, d'autres pensaient à sa femme. Chacun imaginait comment il allait finir dans les mains de cet homme. Parce que tous ont vu en lui un géant. Tous ont vu en lui un champion. Si personne n'osait se lever pour défier cet homme, c'est parce qu'ils ont vu un champion. Vous savez, mes frères et sœurs, un champion, c'est quelqu'un qui ne sera jamais vaincu. Un champion, c'est quelqu'un qui est fort et qui ne sera jamais vaincu. C'est ça un champion. Et si Israël n'osait pas se lever, si pendant 40 jours, personne n'ose se lever parce qu'ils ont vu un champion, quelqu'un qu'on ne pourra jamais vaincre, quelqu'un qu'on ne pourra jamais battre. Et pourtant, dans cet épisode ou dans ce chapitre, nous voyons quatre types d'hommes. Et j'aimerais vous parler rapidement sur ces quatre types d'hommes. Le premier type d'homme que je parle ici, je parle d'un ex-oint. Le ex-oint, c'est Saoul. Saoul, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction, mais qui a perdu l'onction. C'est celui-là que j'appelle un ex-oint. C'est le type de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont reçu l'onction de Dieu, mais qui l'ont perdu. Qui avaient l'onction de Dieu, qui travaillaient avec la puissance de Dieu, mais qui l'ont perdu. Ceux-là, je les appelle des ex-oints. Et nous voyons ce type aujourd'hui aussi parmi nous. Et nous voyons le deuxième type, c'est ceux que j'appelle les anti-oints. Les anti-oints, c'est les peuples philistins. C'est Goliath et les peuples philistins. Ce sont des anti-oints, ceux qui vont contre les choses de Dieu. Et nous voyons ces anti-oints aujourd'hui même dans l'Église. Nous le voyons dans le monde. Nous le voyons un peu partout. Et le troisième type de personnes, c'est ceux que j'appelle les professionnels sans onction. Les professionnels sans onction, ce sont des peuples d'Israël. Ils sont formés. Ce sont des hommes qui sont formés pour la guerre. Et pourtant, ils sont formés pour faire la guerre. Mais ils n'ont pas l'onction. Ceux-là, je les appelle les professionnels sans onction. C'est les peuples d'Israël. Parce qu'ils sont de profession militaire. Ils sont formés pour faire la guerre, mais ils n'ont pas l'onction. Et le quatrième type, c'est celui que j'appelle le non-professionnel oint. Le non-professionnel oint, c'est David. Il n'est pas de profession militaire, mais il est oint de l'onction de Dieu. Et je parle aujourd'hui, je suis sûr et certain que Dieu est en train de susciter des non-professionnels oints dans l'Église du XXIe siècle. Parce que vous savez, frères et sœurs, certains défis que nous rencontrons dans la vie aujourd'hui sont du genre que plusieurs qui nous ont dévancés l'ont déjà reçu. Ce géant Goliath s'est opposé à beaucoup de personnes avant nous. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de gens qui ont des grandes potentialités n'ont pas pu réaliser des choses parce que ce Goliath s'est dressé devant eux. Parce que ce géant s'est présenté devant eux. Et ce géant continue toujours à contrôler des nations, des familles, des églises. Et ce géant a fait sombrer plusieurs personnes. A fait sombrer plusieurs personnes, même des hommes de Dieu. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont partis même avec toute leur potentialité, sans avoir réalisé beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais nous devons savoir une seule chose. Nous devons savoir quelque chose et j'aimerais que nous comprenions. Je vais bientôt finir et je veux que vous me suivez. Pendant ce temps où les peuples d'Israël étaient en face de cet homme, pendant ce temps que aucune personne n'osait se lever, pendant que personne n'osait se lever les mains, la Bible dit il y avait un jeune homme qui n'était pas militaire, qui n'est pas formé pour faire la guerre. C'était David. Et il y avait ses frères
qui était présent parmi les peuples d'Israël. Et David est allé seulement pour apporter à manger à ses frères. Et la Bible dit, au même moment où David arrivait, dès qu'il arrivait sur la scène, c'était au même moment où Goliath s'est levé pour lancer le défi au peuple d'Israël. Et ce jeune homme a écouté. Et ce jeune homme est allé voir Saül. Bien avant, ses frères l'ont méprisé. Vous savez, quand vous avez des choses de Dieu en vous, vous savez, quand vous avez une mission à accomplir, même si certains aînés veulent vous décourager, ayez confiance en Dieu, allez de l'avant. David s'est levé, il est parti voir Saül. Il a dit à Saül, qui est cet homme qui insulte l'armée d'Israël? Saül a commencé à parler. Et ce jeune homme a dit ceci à Saül, moi j'irai et je le battrai. Et vous allez voir maintenant la réponse de Saül. La réponse de Saül montre l'état d'esprit d'Israël. Parce qu'il a dit à ce jeune homme, tu ne pourras pas battre cet homme parce que c'est un homme qui est formé. C'est un homme qui est aguerri. Tu es tellement jeune que tu ne pourras rien faire. Cela veut dire, quelqu'un que tu ne peux pas battre, cela veut dire c'est un champion. C'est un champion. Donc, depuis 40 jours, Israël voyait un champion. Depuis 40 jours, Saül voyait un champion. Parce que ce qui était dans l'esprit des peuples d'Israël, c'est ça qui est sorti par la bouche de Saül. Parce que pour eux, c'est un champion. Mais ce jeune homme avait deux choses. Ce jeune homme est rentré dans le souvenir. Il a dit à Saül, « Saül, quand j'étais avec mes brebis, et qu'un ours vienne, ou un lion vient prendre une de mes brebis, je le poursuis, je l'arrête, je le tue, et j'arrache de sa gueule ma brebis. » Et il a dit, ce même Dieu est capable de me sauver dans la main de cet homme. La première des choses, c'est que David a le souvenir de la puissance de son Dieu. Il s'est souvenu que ce que Dieu a fait pour lui dans la brousse, Dieu est capable de le faire. Et la Bible dit que David s'est levé. Il est parti sur la scène. Et la Bible dit, pendant que David avança, pendant qu'il avançait, David a vu la même personne que les peuples d'Israël ont vue. Mais dès que David avançait de cet homme, dès que David aperçut cet homme, la première des choses que David cherchait, c'était pour trouver l'identité de Goliath. Dès que David a vu, il a dit, mais non, je ne vois pas un champion, je vois un incirconcis. Je vois un homme qui manque la protection de Dieu. Je vois un homme qui est hors de l'alliance de Dieu. Je vois un homme qui n'a même pas la caution de Dieu. Je vois un ennemi de Dieu. Mes frères, la première chose que David a découvert, c'était l'identité de Goliath. Quand David a dit « Tu es un incirconcis », il a révélé la vraie faiblesse de Saül. Il lui a fait comprendre que tu es un incirconcis, tu es ennemi de Dieu. Tu ne pourras pas. Et automatiquement, David s'est positionné dans l'alliance de la protection que Dieu a faite à Abraham et à sa descendance. Et il a dit, moi, je couperai ta tête parce que tu es un incirconcis. Mes frères et mes sœurs, je sais que ce même Goliath se présente devant vous nuit et jour. Je sais que ça fait peut-être 40 jours, 40 années, 40 mois que nuit et jour, vous avez peur parce que ces géants Goliath se présentent. Je ne sais pas, ça peut être le Goliath de maladie, Goliath de santé, Goliath de chômage, Goliath de célibat. Tout ce que nous avons devant nous comme un champion, c'est un Goliath. Mais laissez-moi vous dire, ce soir, votre victoire détermine de la manière où vous le regardez. Quand David s'est levé pour aller, il a trouvé son identité. Il a dit, je vois un incirconcis. Celui qui manque la protection de Dieu. Celui qui n'a pas la caution de Dieu. Celui qui ne peut rien faire pour moi. Celui qui ne peut pas me vaincre. Alors ce soir, je vais finir pour vous dire ceci. Trouvez l'identité de vos Goliaths.
Vos maladies n'ont aucune caution de Dieu. Vos maladies n'ont pas de relation avec Dieu. Dieu ne cautionne pas vos problèmes. Dieu ne cautionne pas vos maladies. Ce sont des incirconcis. Alors ce soir, c'est à toi la victoire. Ce soir, tu dois vaincre. Ce soir, la victoire est pour toi. Alors mes frères et mes sœurs, vous qui me suivez, soyez bénis. La seule chose que je peux vous dire pour en finir, il est temps que ce géant que vous voyez comme un géant, n'importe quel nom que vous lui donnez, sachez que c'est un incirconcis. Sachez qu'il n'a pas une caution pour vous vaincre. Sachez qu'il n'a pas une caution. Si la maladie a une caution, accepte que tu meurs. Accepte qu'il te tue. Mais si la maladie n'a pas la caution de Dieu, c'est toi le vainqueur. Alors ce soir, prenez votre victoire. Ce soir, sachez que vous êtes dans la protection de Dieu. Vous avez la caution de Dieu. Vous avez la protection de Dieu. Alors soyez bénis. Je vais prier maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui me suivent ce soir, à côté de leur poste. Seigneur, je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils découvrent, Seigneur, l'identité de leur Goliath. Seigneur, ce soir, permets que tes peuples comprennent que, Seigneur, tous ces géants qui se présentent devant eux ne sont pas des champions, mais c'est eux qui sont des champions parce qu'ils ont la caution qui vient de toi. Seigneur Jésus, permets que tes enfants comprennent que Goliath est hors de l'alliance, que, Seigneur, leur problème est hors de l'alliance, que tu ne les cautionnes pas et que la victoire est pour tes peuples. Bénis ce moment, Seigneur, que la gloire te revient, que la gloire te revient, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse, vous avez la victoire, que Dieu vous bénisse et marchez dans la victoire de Christ. Amen. Certainement tu l'es aussi. Voilà pourquoi je vais t'inviter du 19 février au 25 février 2018 à bénéficier de la main tendue de l'Éternel. Je suis l'apôtre Daniel Yaba et je t'invite à pouvoir ensemble pouvoir nous réjouir de l'héritage que Dieu a fixé pour nous. Soyez bénis. Je suis la prophétesse Naomi Yaba. Je suis heureuse de t'inviter du 19 février au 25 février 2018 au 45 rue d'Élysée à Pantin. Premier étage, porte 132. Nous allons ensemble passer un moment merveilleux dans la présence de Dieu avec pour thème « Je suis dans l'alliance qui établit ». Et je suis certaine que tu fais partie de cette alliance. Je t'y invite. Que Dieu te bénisse. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Ebenezer Ministry vous recommande de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu.
Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 1000. Vos appels partent de la France, faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, le 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, le 14 40 99. Pour toute information, allez sur 3xw.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, le cœur de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Du nouveau dans la ville de Bandundu, le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwen na Bwalaku, Talababuti, Toku Salamakambo, Kisika Yakulala, Memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Boleka na Partol TV, poete totombola lisusu, Yesu oyo abenga biso. Ne zappe pas, ne change pas la télé, c'est Partol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse.